La Fédération professionnelle des journalistes du Québec a demandé au premier ministre de clarifier sa position à l'égard de Radio-Canada. À l'ordre, il semble qu'il y a un problème lié à l'interprétation. Les insinuations et les menaces de Carl Vallée, l'attaché de presse du premier ministre, envoyé au directeur de l'information de Radio-Canada, ne sont pas admissibles. Ces propos bafouent l'indépendance éditoriale de Radio-Canada. C'est vrai. Et sèment le doute sur la réelle liberté d'information sous le régime conservateur. Comment le gouvernement peut-il prétendre que Radio-Canada est indépendante alors que le bureau du premier ministre intervient dans la programmation? Tout à fait. Honorable secrétaire parlementaire. Au ministre du Patrimoine. Monsieur le Président, ces allégations sont complètement infondées. L'Ombudsman de CBC a été très clair à cet effet. En ce qui a trait à ce documentaire, on s'est aperçu que les règles du journalisme et les normes du journalisme ont été correctement appliquées. Nous respectons ces conclusions et elles devraient en faire de même.